Allez, eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on va parler du nouveau Zelda Skyward Sword HD qui ressort sur Nintendo Switch. Et oui, ce jeu était sorti à la base sur Wii et on a un remake de d'un Zelda du coup. En attendant, eh bien Zelda 2, voilà, Breath of the Wild 2 comme on l'attend. Eh bien en attendant que Zelda Breath of the Wild 2 sort, on a eu droit à un remake de ce jeu durant le Nintendo Direct du 18 février 2021, enfin le 17 plutôt, hein. La rediff était évidemment le 18 février 2021. Le jeu reprend exactement la base de ce qu'on avait vu sur Skyward Sword HD, mis à part qu'il a été adapté pour la console portable et uniquement portable de chez Nintendo, la Switch Lite. Voilà, la Switch Lite qui ne profite pas des détections de mouvement comme pouvait l'avoir avec les Wiimote. Et bien sachez que vous pourrez tout simplement jouer sur la Switch Lite correctement. Le gameplay avait l'air d'être bien présenté et la Switch Lite avait l'air d'être assez agréable à manier avec ce jeu, donc reste à voir ce que ça donnera en plein jeu. C'est un jeu qui, ma foi, a l'air très sympathique, les graphismes ont été simplement améliorés, HDisés, pas de refonte complète, pas de changement de chara-design, de design tout court, ça a l'air vraiment sympa, reste à voir si ce portage tournera correctement sur la Switch ainsi que sur la Switch Lite. En tout cas, ça fait très plaisir. Je m'attendais pas forcément à avoir un remaster de ce jeu. Et sachez qu'il y aura aussi des Joy-Con à l'effigie de ce jeu, des Joy-Con couleur Zelda. Et oui, Zelda Skyward Sword HD, deux Joy-Con très jolis, qui ont un petit design très sympa. Reste à voir s'ils seront éphémères ou pas. Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous fera plaisir de voir ce jeu, sachez qu'il est disponible le 16 juillet 2021.